troisième édition, mais c'est la première où on a vraiment voulu avoir un plateau plus complet, où on a mis des moyens supplémentaires et on voudrait perdurer et augmenter un petit peu encore nos plateaux. Alors son originalité, c'est de rassembler deux sauts verticaux, la perche et la hauteur, et surtout en musique. Donc chaque sauteur a sa propre musique et on alterne sauteur à la perche et sauteur en hauteur. Alors l'originalité de cette journée ici à Dijon, c'est que vous avez réussi à réunir un beau plateau. Bah, tout à fait, oui, on a beaucoup d'étrangers, on a aussi les meilleurs français de discipline. On ne les a pas tous, mais il y en a une grande partie. Donc voilà, on est assez surpris de l'enthousiasme qu'il y a eu autour de ce meeting et on est ravis. Il y a la Suédoise Angelica là, qui vient de sauter, qui a fait 4,42. Et ensuite, annoncé sur les concours des garçons, on a à la hauteur Fabrice Saint-Jean, Abdoulaye Diarra, qui sont les meilleurs performeurs du bilan 2012. Et ensuite, on a des étrangers qui se sont rajoutés cette semaine, notamment des Chinois. Ce qui se fait de mieux chez eux apparemment, 5,75 m de record annoncé, 5,60 m et 5,50 m pour un junior. Voilà, donc on va voir ce qu'il donne. L'école française de la Perche se porte très bien. On a un chef de file, on a toujours eu la chance d'avoir un chef de file, que ce soit Pierre Quinon, que ce soit Jean Galfionne ou maintenant Renaud. C'est une formidable émulation. Ce sont des premiers de cordée qui nous montrent qu'on a des jeunes qui vont bien. J'ai parlé de Kevin Menaldo. Je pourrais aussi parler d'un certain Thibaut Boisseau, détenteur du record de Bourgogne avec 5,30 m, qui participe au championnat du monde l'an passé. Ce qu'il y a en France, c'est qu'il y a une relève, mais partout et dans tous les territoires. Et c'est sans doute une des spécificités de notre discipline, quelle soit la perche.